Partager, vous savez que ma page là, il y a trop de problèmes dessus. On m'avait piraté. Attends, je vais dire. Et on fait rien pour rien. On fait rien pour rien. Hier, on fait rien pour rien. Partager, taguez-moi. Il y a les têtes rouges déjà. Il y a les têtes rouges déjà. Taguez-moi de Bordeaux. Taguez-moi de Bordeaux. Taguez-moi le roi 12-12. Taguez-moi une Zignon. Zignon ou Zignon. Voilà. Yeah, dis-toi, vieille go, là, faut pas laisser de Bordeaux. De Bordeaux, là, c'est mon petit. Voilà, la vieille, là. Où il est même? Petit Moscodo, toi, vieille go, là, faut pas laisser de Bordeaux dans sa gamme. Ah, nous tous sommes dans la gamme. Voilà, j'ai une page, hein. Moi, j'ai une page aussi. Donc, on se parle avec respect, on se côtoie avec respect. C'est pas parce que nous sommes dans la gamme, vous voyez sur la toile. Vieille là, c'est bénédiction. Voilà. Je suis vieille, je suis dans le foyer, j'ai mon fils, je suis à la maison. Je suis pas dans la rue en train de vadrouiller. Non, 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 non. Donc, quand tu me dis vieille, ça me fait plus une bénédiction que je suis en bonne santé. Voilà. Donc, partager. Maintenant, je vais parler à mon petit qui a arrangé ma page. Plus de partage, on fait rien pour rien. Plus de partage, j'aurai les homos pour le carême, le bon mois de carême. Voilà. Je vais parler d'abord au roi 12-12, après Unis Zinon et après de Bordeaux. Voilà. Donc, partager. Attends, je vais écrire à mon petit. Ok, mon fils. C'est Mathieu Douleur que je t'avais dit, j'allais être en ligne. Ceux qui vont faire plus de partage, envoie-moi sa capture. Voilà, on va aller faire les homos parce qu'on ne fait rien pour rien. Non, 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 non. Voilà. Donc, toi, tu es musulmane ou pas? Mon père, ma mère sont musulmans. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, si je n'ai pas vous menti. Voilà. La culture islamique, mais quoi, je connais un peu. Je ne connais pas plus. Donc, à cause de mes parents, on peut dire que je suis musulmane. Je vais dans les trucs. Mais pour dire, pratiquer ça à 100%, je fais mon effort. Il suffit que. Je bénis Dieu le matin, ça peut être en parole, ça peut être m'engenuer. C'est comme ça, moi, je prie. Voilà. Donc, partager. Je vais commencer avec le roi 12-12 d'abord. Ensuite, Unis Zénon, taguez-moi Unis Zénon. Et après, de Bordeaux. Voilà. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Voilà. Moi, je taquine beaucoup, j'ai ma page, je fais rigoler, c'est tout ce que je fais sur ma page. Taquiner et avancer, la vie est faite ainsi. Donc, j'ai commencé par le roi 12-12. Rapidement, je ne vais même pas tarder. J'ai fait au moins 10 minutes et puis je vais partir. Mais je n'ai pas le temps. Tu vois, ici aux États-Unis, ici là, time is money. Voilà, time is money. Donc, je commence avec le roi 12-12. Le roi 12-12, je l'ai connu par. Un ami qui était intermédiaire entre nous deux. Le roi 12 est venu ici aux États-Unis. Je parle un peu fort, le volume est bon? Non, je ne sens pas avec ça, je vais m'expliquer un peu. Voilà. J'ai connu le roi 12 intermédiaire de mon bon petit, un ami, qui m'a appelé. Ah, la vieille mère, tu es encore aux États-Unis? J'ai dit oui. Qui est mon vieux père qui est venu aux États-Unis, qui fait des achats. Comme tu comprends anglais, tu comprends le système et tu as investi beaucoup ici. Donc, je vais vous mettre en contact. Qu'il veut vraiment rentrer en contact avec toi. C'est comme ça que je vais vous expliquer un mot avec le roi 12-12. OK? Rapidement. OK. Il dit au roi, je ne connais pas roi. En ce moment, bon, je dis non, je ne le connais pas. Il dit, ah, c'est le. Il m'a envoyé des vidéos de Sidiki, où Sidiki faisait son natal à court, tout ça là. Que non, c'est une bonne personne, il ne faut pas t'inquiéter. Non, il veut venir investir, je vais vous mettre en contact, tu vois. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Après ça, 2 semaines après, le monsieur est venu. Je suis allé l'accueillir. On a fait tout ce qu'il voulait faire comme achat. J'étais intermédiaire. Et quand il a fini, il est reparti. Il m'a dit, ah, je suis bien rentré.
vraiment, tu t'es vraiment occupé de moi quand je suis arrivée aux États-Unis ici. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, parle un peu fort. Ok. Je suis un peu malade. Ok, tag. Ok. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Mathieu? Il dit, papa, comme ça, moi, je l'appelle. Hein. C'est mon, moi, le roi doudou, c'est la même catégorie. Hein. Mais c'est le respect qu'il fait. Puis, je sais, pas comme si c'est à cause de Dieu. Voilà. Donc, on se respecte, nous deux. Je dis, je vais faire featuring avec Sidiki Diabaté parce que mon petit là, m'a envoyé des vidéos où Sidiki faisait beaucoup de Natalako. Donc, elle m'a dit, oui, que je vais faire ça pour toi parce que tu as pris ton temps. Il ne m'a pas remis quelque chose. Elle est venue aux États-Unis. Je me suis déplacée. Elle fait tout ce qu'ils veulent. Donc, elle est rentrée et me demande si, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi pour me récompenser parce que j'ai pris mon temps aussi de m'envoyer de l'argent. J'ai dit non. Et je vais faire featuring avec Sidiki. Il dit quand? Je dis bon, dans 2 mois. Les 2 mois sont arrivés. Il a fait mon billet. Il m'a logé. Et il a fait le featuring avec Sidiki. Ah, je dis papa, on peut faire buzz. Il dit c'est quoi buzz là même? Il dit papa, je veux faire buzz pour que le son prenne. Je vais faire comme si on sort ensemble. Donc, je vais que. Parce que les Ivoiriens, ils aiment ça. Il faut donner du bleu aux Ivoiriens. Il faut amuser la galerie pour que mon son prenne. Quand j'ai fini le son, elle s'est dit qu'il a fait le tapage. Je m'appellerai 12-12. Pour juste faire le buzz pour que le son sorte. OK. Il est marié, hein, le monsieur. Il ne fait pas. Comment on dit la même là? C'est un monsieur qui est très, très. Respectueux, respecte sa famille. Donc, tellement que papa me dit non. Et je l'ai tellement honoré qu'elle est venue aux États-Unis ici. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tes femmes n'ont pas se fâcher. Non, il va les expliquer, il n'y a pas de problème. C'est du buzz pour que ta musique prenne tout cela. Le monsieur, je n'ai pas dépensé 5 francs quand j'étais au Mali. Le monsieur a payé mon billet, first class. Il m'a logé. Il m'a nourri. J'ai fait le soin à Sidiki. Même d'Assi, je n'ai pas remis à Sidiki. J'ai mangé pendant 2 mois. J'étais au Mali. 2 mois. Quand j'étais au Mali, le monsieur, c'est tout ce qu'il a fait pour moi. Et je le remercie. Il est devenu mon meilleur ami. Il est devenu même comme mon frère de sang. Depuis ce jour-là, moi, que le monsieur, on est collé serré. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Roi 12-12. Et je lui ai demandé sa permission si je peux faire buzz avec lui, comme si on soit ensemble, pour que les gens en parlent. Pour que le son prenne. C'est tout. Je ne sors pas le monsieur. Jamais. Et c'est ce que je voulais vous éclairer. Il respecte ses femmes. Voilà. Moi, je suis mariée. Il sait bien que je suis mariée. Et je voulais faire le buzz avec lui. C'est pour vous trafiquer, pour que le son prenne. Voilà. Donc, la reine 13-13, il n'y a pas de problème. C'est mon papa. C'est mon ami. Et ça, c'est le roi 12-12. Hein? Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà. Et encore, il est venu ici à New York la dernière fois. Quand le son, quand on se dit qu'il est parti en prison, le son est effacé. Parce que les gars ne pouvaient plus jouer. Il avait des problèmes avec. Tu vois, il avait des problèmes. Donc, je dis à papa, ah, je veux faire un featuring ici aux États-Unis avec une artiste. Vous la connaissez, une grande artiste qui m'a demandé au moins 70 000 $ pour faire le featuring avec elle. On dirait que j'irais son manager. Vous m'avez vu à New York dans les loges où je parlais pour dire qu'il y a quelque chose de big qui va venir. Voilà. Donc j'ai appelé le roi 12 devait venir à New York. Je lui ai dit, ah papa, le gars me demande 70 000 $. Et je veux faire featuring avec l'artiste. C'est une femme. Je n'ai pas dit son nom parce que ça n'a pas encore abouti. Donc quand tu vas venir, comme tu m'as dit, tu allais m'aider avec 40 000 $. Je vais faire le son. Tout dernièrement, hein, en décembre, là. Il dit, ah, Mati, la dernière fois que tu rentrais, c'est dit qu'il a. Tu es allé en studio, on n'a même pas attendu ta voix, c'est dit qu'il t'a chanté tout le morceau. Et non, papa, cette fois-ci, ils vont me coaching et je vais toujours faire le buzz avec ton nom pour qu'au moins les gars ne vont pas. Parce que tu es un monument, qu'à reconnaître. Radoudou, tu es un monument. Quand il dit Mati Dola sort, ça va prendre de l'ampleur. C'était mon buzz qui était là. Il a appelé une usine, il a appelé une usine aussi. Donc, papa m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, il est revenu ici, mais il n'avait pas assez de temps qu'il est venu. Et les gens qu'on devait croiser, ils tournaient. Et l'artiste aussi, fallait que... Donc, ça a un peu tourné à la mayonnaise, moi, avec lui. Et c'est pour ça, quand j'étais à New York, écoutez, hein, si moi, je sortais le roi 12-12, là, on allait faire ça en cachette. Voilà, je ne l'ai pas venu sauter, puis montrer. Quand j'étais à New York, il avait sa chambre.
j'avais ma chambre. Pour faire le buzz, pour mon nouveau son, je suis venue dans sa chambre. Il dit, papa, ah, ça ne te dérange pas, il va se napper dans ta chambre. Et puis, il faut prendre une photo, tu vas poster, je vais poster. On fait croire aux gens que nous sommes ensemble. Pour que le nouveau son là, pour que les gens, pour qu'on prononce le nouveau son. Il m'a dit, il ne peut rien me refuser, ce monsieur. Le monsieur là pour rien me refuser. Tellement que je le grandis, tellement qu'il a besoin de quelque chose, je suis là. Ce n'est pas l'argent, hein? Il ne me donne pas l'argent. Ce qu'il a fait pour moi quand j'étais au Mali, ça m'a touché. Il a mis ses voitures à ma disposition. Il m'a nourri. Donc, quelqu'un qui a fait ça pour toi, tu ne peux pas le parler mal. Et qu'elle est venue à New York, il dit, papa, il avait sa chambre, j'avais ma chambre. Il dit, s'il te plaît, je vais prendre ta chambre pour faire le buzz, pour que mon nouveau son là, après je vais parler de nouveau son. Il m'a dit, non, mets-toi à l'aise. J'ai commencé à snapper, ah, le roi 12-12, nous sommes ici, voilà la chambre du roi 12-12, je suis avec lui. Et tu mens. Ce qui est sûr, tu as cassé mon moral, c'est pas bien. Tu peux pas venir me dire une maman comme moi que moi je mens. Tu connais mon histoire que moi? Tu connais mon histoire que moi? Moi je mens? C'est qui ça même? Traoré Fama. Ah! Tu connais moi mon histoire mieux que moi? Je viens de raconter moi mon histoire que moi je mens. Si moi je suis avec le roi Doudou, là, je suis marié, les maris, j'allais faire ça en cachette. On n'est même pas pris, c'est un gars là, c'est un gars qui prie. On n'est même pas venu faire tapage. Quand tu sois avec quelqu'un là, vous vous cachez. Parce qu'il est marié, je suis marié. Vous avez compris? Soyez intelligent. Parce que j'ai fait ta part. C'est moi-même qui a filmé, c'est moi-même qui a partagé les vidéos. Si je sors avec ce monsieur-là, je l'ai caché même. Parce qu'il est marié, je n'ai pas venu me mettre sur la toile. C'était du buzz pour vous faire parler. Ok? C'était juste du buzz pour que mon nouveau son sortait. Je dis, papa, laisse-moi snapper dans ta chambre, laisse-moi. Pourquoi? Si je suis allée, pourquoi? Puis je suis mariée, elle est mariée, puis elle est venue faire ces bêtises-là. Je l'ai mis caché. On a fait ça en cachette. Lui-même, il est marié, puis tout le monde sait qu'il est marié. Il ne fait. Le roi 12-12, il ne. Comment on dit ça même là? Le karma, je ne sais pas comment on appelle ça même là. Il ne fait pas ça. Il est musulman 100%. Quand il sait, toi, il t'est marié avant de sortir, toi. Voilà, c'est un musulman. Il n'est pas dans les bêtises, il respecte sa femme. Il dit, le vieux, comme tu es là à New York, bon, je vais snapper dans ta chambre, je vais faire des petits trucs. Et puis, les gens vont en parler, puis je vais dire, le nouveau son va sortir. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, mets-toi à l'aise. J'ai snappé, il dit, oui, je suis ici, j'ai fait mes conneries. Parce que vous aimez le buzz. Je vous ai donné le buzz. Voilà. Vous aimez le buzz, je vous ai redonné le buzz. Moi, le monsieur, on ne sort pas ensemble. Ça, c'est clair et net. Je l'ai utilisé. Je sais ce qu'il y a là. Je l'ai utilisé comme c'est un monument pour faire mon buzz, pour que vous en parlez. Vous avez en parlé jusqu'à... Et après, maintenant, tu sais, moi, quand je vois les commentaires, même là, je n'irai même plus les commentaires. Je n'irai plus les commentaires. Donc, prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je laisse les commentaires. Je ne parle même plus de ça. Je tourne la page. Je tourne la page même parce que je ne suis pas motivée pour parler que je vois ces commentaires-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là-même? Oui, oui. Et après, j'ai dit non, papa, le son avec les Américains, je ne fais plus. Parce que tu vas dépenser, tu vas me donner tes 40 000 dollars, je vais compléter, je vais donner les 70 000 dollars aux gens. Et après, je ne vais pas faire la publicité comme il le faut. Comme il faut. Donc, laissons tomber et le buzz, je vais arrêter parce que je ne fais plus le son. C'est tout. Et quand il est rentré, les gens disaient non, il y a tellement de trucs que je suis venu vous dire, ah, c'est à cause de vous, je vous ai dit que je suis mariée. Sinon là, moi, je suis à la maison. Voilà. C'est à cause de vous. Pour dire que non, Mathieu est parti sortir quelqu'un qui est marié. C'est pour ça que moi, je suis mariée. Et le monsieur, il est marié. Si je voulais sortir le monsieur, je ne l'aimais pas en parler. On avait fait ça en cachet, ni éconnu. Donc, j'ai fait le tapage dessus pour le son, parce que vous aimez ça. Je vais le laisser en paix, je vais avancer. Appelez Unis Zinon. Et puis, le père d'Aloua aussi. Bipez-moi le père d'Aloua. Il a commencé par Unis Zinon. Unis Zinon est fâchée avec moi. Et elle est vraiment fâchée avec moi parce que... Oh, Unis Zinon est vraiment fâchée avec moi. Elle ne partage plus mes vidéos. Elle ne me parle plus. Il n'y a pas de problème. Non. Moi, je ne vis pas que de ça.
Tu vois, moi j'ai du boulot, donc tu m'appelles. C'est quelqu'un que j'aime bien. Taguez-moi une du nom. Taguez-moi une du nom. Parce que une fois, j'étais. Je ne sais pas comment commencer. Une du nom. Il y avait sa copine, je vais vous expliquer pour une du nom. Pour qu'elle est fâchée avec moi. Et je vais clarifier ça pour qu'elle sache que je ne l'ai pas torpillé, je n'ai rien fait. Donc, je suis sa grande sœur. Voilà. J'avais fait partie des mèches en DH, les Human Hair, les Brazilian Hair. Et elle, le doyement, j'ai payé 6 millions. J'ai payé 6 millions. J'ai fait partie des mèches à DHL. Mon papa est parti récupérer les mèches. Et il y a une de ses copines, ses meilleures copines, qu'elles ont grandi ensemble, qui est dans le quartier de mon papa. On dirait que c'est Angré. Ce sont elles. Là, elle est venue chez mon papa Angré pour dire qu'il y a des gens qui veulent prendre les mèches. Et mon papa dit, ah, je la connais. Elle dit, ah, c'est l'amie intime de Nuit du Nord. Et puis, elle était l'amie à mon frère. Elle a pris tous les mèches qui étaient chères. Je dis, il a fait partie les mèches avec les dédoyements 6 millions. Elle a pris presque tous mes mèches. Et quand elle est partie, on l'appelle, elle répond plus. J'ai appelé une usine, elle dit, non, j'ai fait partie les mèches de 6 millions à Abidjan et ta copine est venue prendre tous les mèches chères. Donc, moi, je vais l'enfermer parce qu'on ne se fout pas de ma gueule. Elle est allée chez mon papa en Angré. Elle a pris tous les mèches de qualité que quelqu'un veut voir les mèches. La copine de nous, sinon, est partie avec toutes mes mèches chères. On ne l'a plus attendue. J'ai posé avec nous, sinon, près d'une heure de temps au téléphone. Elle me demandait, maman, pardon, maman, Yachi, rentrée, sortie ici. Elle dit, nous, sinon, on l'appelle, elle ne décroche pas. On fait ça, elle ne décroche pas. Nous, sinon, il faut l'appeler, elle va décrocher. J'appelle la dame. Elle dit non, c'est la honte, que c'est sa maman qui a volé les mèches là. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit c'est sa mère qui a volé les mèches là. Sa mère ne veut pas sa réussite. Donc, blablabla. J'ai rappelé une usine. Elle dit ah, elle dit que c'est sa maman qui a volé les mèches là. Moi, je vais l'enfermer parce que c'est foutaise. C'est foutaise. Une usine m'a demandé pardon. J'ai laissé tomber parce que c'est pas grave. Je ne peux pas enfermer quelqu'un, ce sera sur ma conscience aussi. Je ne suis pas comme ça. L'argent là, ça vient, ça va. À cause du nid du nom, j'ai laissé ça. Et elle dit, elle voulait une voiture. Elle a dit au roi, elle voulait une voiture. Et elle n'a pas eu la voiture. Donc, comme j'étais le roi, quand elle demandait la voiture, quand elle m'a vu, elle pense que peut-être c'est moi qui a gâté son affaire. Donc, je ne voulais même pas t'en parler, Inus, non, je ne voulais même pas en parler. C'est parce que tu es parti faire un poste quand j'étais malade. Inus, non, tu allais faire un poste quand j'étais malade. Donc, toutes les chambres de New York se ressemblent. Les gens commençaient à me tagler, puis parler de moi. Parce que tu ne peux pas parler de moi parce que tu penses que c'est moi qui ai fait ton gâteau chez le roi. Je vais te dire, non, je ne suis pas comme ça. Tu es ma soeur ivoirienne. Si je ne peux pas te relever, je ne vais pas te rabaisser. Tu as demandé la voiture au roi. Tu m'as dit, ah, maman, il faut voir si le roi peut m'acheter une voiture. Tu dis, je vais voir. Il sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas acheté la voiture, tu as rien sur moi. Et maintenant, tu vas mettre en commentaire, tu ne me publies pas, tu ne parles pas de moi, mais tu vas mettre en parabole, déjà, tous les chambres de New York là se ressemblent, comme si moi je suis une menteuse. Il dit non, je ne sors pas avec le roi 12-12. Je vais te le dire ça clairement. Il ne faut pas te fâcher, je n'ai pas fait ton gâteau, tu es quelqu'un que j'aime et j'admire beaucoup. Voilà. Dans un moment, si tu me publies, tu ne me publies pas, il n'y a pas de problème. Tu fais ton événement, moi je soutiens ton événement. C'est le mai, je soutiens ça parce que tu es ma fille. À cause de toi, j'ai laissé ta copine. À cause de toi, je l'ai laissée. Si ce n'était pas à cause de toi, mon papa voulait l'enfermer. Mon papa dit non, ma fille, tu es trop gentille. C'est beaucoup de mèches et tu as fait beaucoup de dépenses sur ça. Il nous dit non, c'est pour te dire que c'est à cause de toi. J'ai laissé cette fille, sinon j'allais l'enfermer. Donc c'est pour te dire aujourd'hui, tu as fait ton poste, je n'ai pas aimé. Non, dans toutes les chambres de New York se ressemblent. Tu as parlé un truc comme ça. C'est pour ça que je vais clarifier. Et MK Story. Comment elle s'appelle même la petite, ma petite là. MK Secret aussi se moque de moi. MK Secret. C'est qu'on dit MK Story. Comment elle s'appelle là? Elle se moque de moi. MK Secret. Moi, je vais te laisser parce que tu as les brèches comme mon nez. Quand je vois tes brèches, je pense à mon nez. Donc, je te laisse au congélateur.
J'ai même pas, je peux être ma soeur, je t'aime. Ok, MK. On dit MK story, mais MK secret, c'est pas là. Elle se moquait de moi. Elle se moquait vraiment de moi, le roi 12-12. Ce qui est devenu leur dit, qu'est-ce qui se passe entre moi et le roi 12-12? Il n'y a rien qui se passe. C'est mon frère. Je l'ai mis dans mon cœur, il m'a mis dans son cœur. Voilà. Maintenant, on va revenir maintenant à De Bordeaux. Non, le père d'Aloi. Et puis après, De Bordeaux. Partager, avoir combien de partages? On ne fait rien pour rien. Hein? On ne fait rien pour rien. Voilà. Moi, j'ai ma fondation. Je n'ai rien. Je n'ai rien, je fais ce que je peux. Et souvent, quand je vois les commentaires, il y a une dame qui a mis Reine 13-13. Ça m'a fait rire. Elle a mis Reine 13-13, je lui ai envoyé environ 40 000. Quand je viens sur ma page, je vois les commentaires qui font rire. Je les envoie un petit quelque chose. Voilà. C'est comme ça que je suis. Si c'est ta chance, je t'envoie. Je ne choisis pas, je ne trie pas. Quand je viens sur ma page, je publie un truc, qui fait un truc qui m'a fait rire, qui m'a fait la journée, je t'envoie quelque chose. Voilà. Donc, Père d'Aloi, appelez-moi le Père d'Aloi. Père d'Aloi, tu vois, chacun a sa manière d'aimer quelqu'un. Tu vois, moi, le temps de Pistolero, c'est parce que je n'avais pas les internets, hein, J'ai presque fini, je ne dis pas, donnez-moi encore 5 minutes. Père d'Aloi, je vais t'expliquer une histoire qui m'est arrivée le temps de Pistolero. Je suis partie dans un village pour prester. Et quand je sortais dans le village, heureusement, heureusement que le chauffeur devait filer, il y a un vieux qui est venu se jeter sur ma voiture, on l'a balancé. Il était fan de moi. Il est venu nous couper la route et on l'a balancé. La deuxième voiture, on l'a mis dans la deuxième voiture, on est parti à l'hôpital avec lui. On est parti à l'hôpital avec lui pour voir. On dit non, ça va. Il a vu des petits gratinures sur son cou depuis ici. On dit non, tout va. Je suis resté là-bas à l'hôpital 2 heures de temps avec lui. On dit non, tout va, il n'y a pas de problème, tout ça là, rentrer, sortir ici. Toi, tu t'es mis, il y a un vieux qui s'est jeté sur ma 4x4. Tellement que vous ne connaissez pas. C'est pour vous dire le père d'Aloi. Tu sais, quand tu es fan de quelqu'un là, quand quelqu'un est ton idole, parce que vous n'avez jamais vécu ça, les enfants. Quand tu es fan de quelqu'un, quand tu vois la personne, tu pleures. Il y a des mamans qui se pleuraient, il y a des mamans même qui se couchaient par terre. C'est moi-même, en montant, parce que j'avais pas de Facebook. Il n'y avait pas de Facebook. Quand vous êtes fou en ce moment-là, vous connaissez Matt Dola, hier, tout le monde, on ne parle pas. Tout le monde voulait me toucher parce que je suis une Américaine, je ne parle pas français, je suis là. J'étais comme un demi-dieu pour eux. Les gens pleuraient de gauche à droite ici parce que je faisais des dons, j'aidais les gens pleuraient. Donc, le père d'Aloi, c'est un truc, souvent qu'il fait des trucs, ça l'a tellement qu'il était, c'est la première fois qu'il voyait Roi Doudou, il était tellement choqué. On dit, il sait quoi? Il sait faire ratemplant. C'est son idole pour nous montrer combien de fois il aime. Moi, le vieux, j'ai dit, quand on a fini de faire son soin, on dit, le vieux là, il n'y a rien, tout se passe bien. J'ai enlevé 300 000, les donné au vieux. Le vieux même là, accident qu'il a fait là, c'était petit. Le vieux a fait, il a fait acrobatie. On m'était découragé. J'ai dit, ah, le vieux a perdu mon temps, il devait rentrer. J'ai dit, à l'hôpital là-bas, comme on dit, il a l'air bien, dis-moi le vieux, je vais te donner, viens ta femme n'a quand même te chercher, moi je continue, je vais donner 300 000. Le vieux a fait acrobatie là-bas. Moi-même, je suis monté dans la voiture, je dis, mais ah, le vieux là, que Dieu me pardonne. Et le vieux là, c'est un vieux coin. Comment il me fait perdre le temps, il vient se jeter sur ma voiture, à cause de 300 000, il fait acrobatie. Ah, il pourrait se tuer. Tu vois, ça vous dit que ce sont les émotions. C'est comme votre match, quand vous regardez un match que vous aimez, votre fan là. C'est comme ça. Vous êtes, c'est sur l'émotion. Et chacun peut donner. Non, tu parlais bien français. Non, c'est faux. Je ne parlais pas bien français en ce moment. Non. Là, j'ai fait beaucoup de fautes. Je suis venue, je suis très jeune. Et tous mes amis étaient américains. C'est parce que je suis partie plusieurs fois à Abidjan, plusieurs fois. Même toi-même, tu vas à Paris. Tu fais 5 ans. Tu vas changer ta manière de parler. Je suis quittée en Afrique quand j'étais très jeune. Donc, je suis restée ici avant de partir. Avant de partir en Côte d'Ivoire, je suis restée ici 10 ans. Avant que je mette pied en Côte d'Ivoire. Donc, imagine-toi. Une petite fille qui a duré ici, dont le français était vraiment mauvais. Donc, je suis en train de dire qu'il ne faut pas que j'aie trop parlé le français, de dire, hier, parlant un peu anglais. Mon français n'était pas bon, pas que les gens se moquent de moi. Sinon, réellement, mon français n'était pas bien. Voilà, je ne m'exprimais pas bien. Le fait que je partais tout le temps, c'est ce qui s'est passé. Donc, le père d'Aloi. Donc, chacun peut dire ce qu'il veut dire, c'est normal. Oh, le père d'Aloi est exagéré, oh, le père. Ce sont les opinions de chacun. Amina Bénédicte Kouao, en tout cas ma fille, je ne t'ai pas oublié, hein?
Je t'ai pas oublié, je t'ai pas oublié. Amina Bénédicte Kwame. Ok, je t'ai pas oublié. Ok? Donc, le père d'Aloua, c'est pour te dire que c'est la vie. C'est comme ça, tu es devenu star. Donc, il y aura des négatifs, il y aura des biens. C'est la même chose quand tu deviens star. Le père d'Aloua, tu es devenu star. Donc, il y aura des négatifs parce que tout le monde ne va pas t'aimer. Donc, tout le monde dit, ah, c'est que le père d'Aloua, il est exagéré. C'est que le père d'Aloua, je ne peux pas faire. Mais tu ne connais pas quand tu es fan de quelqu'un. Vous ne savez pas. Vous n'êtes jamais tombé fan de quelqu'un. Si vous êtes fan de quelqu'un, c'est ton idole. Et dis, même si la personne dit même que tu vas faire, parce que tu sais tellement que tu aimes la personne. Moi, ça m'est arrivé au temps de Mati Dola Pistolero. Ça m'est arrivé. Où les mamans pleurent, elles se jettent ici. J'ai dit, tant de trucs. Un vieux même voulait même se tuer à cause de ça. Moi, ma première, il l'a insulté. Il dit, mais c'est quoi ça? Il a mis le problème ici. Et Dieu merci que tout s'est bien passé. OK? OK. J'ai fini, hein? De Bordeaux, le Koufa. Ouais, appelez-moi De Bordeaux, le Koufa. Mon fils. De Bordeaux. C'est à toi maintenant, je suis arrivé à toi. De Bordeaux, je suis, comme tu dis, je suis âgée. Et je parle pas mal. Tu sais que nous, on aime s'attacher entre nous, les Ivoiriens. On rigole, you know. Et moi, je fais pas de mal, mais quelque chose. Toi, tu es un attacheur de Bordeaux. J'avoue, dit, quand j'ai connu de Bordeaux, le temps des Pistolero, je n'étais pas dans le studio où j'étais. On dit, ah, il y a un petit qui fait bien les cœurs, il est bien. Quand j'ai fait sortir le son Pistolero, il a fait un album. De Bordeaux est venu. De Bordeaux était... C'est maintenant De Bordeaux a grossi, hein. C'est mon fils, je l'aime bien. C'est maintenant De Bordeaux a grossi. J'ai cru que De Bordeaux était un Américain. Parce qu'il était mince et il a mis habile en les Américains de hip-hop. Tu vois les gros habits que les Américains portaient là. C'est comme ça le gars est venu. Puis il a commencé à parler anglais. Que c'était un Américain. Il dit, Joe, what's up, man, we can... Mais il ne parlait pas anglais. J'ai dit, ah, mais il était bien comme hip-hop. C'est passé, il flottait dans son habit. Donc, moi, j'ai cru que c'était un Américain. Donc, il m'appelait, De Bordeaux m'appelait, il était content de joie quand De Bordeaux moi m'a vu. Moi, il y a longtemps, j'ai commencé, c'est parce que je ne prends pas la musique au sérieux, ça ne me dit rien, ce n'est pas ma nourriture. Il dit, De Bordeaux était content. Il dit, ah, la vieille mère, ah, je vais. Il dit, De Bordeaux a chanté juste quand nous, on était fatigués dans ce studio-là. Si il dit, je mange, je vais mettre les sons là, j'ai appelé mon grand frère. Il va m'envoyer tous les sons. De Bordeaux est venu en hip-hop. La première fois, il était content, si je mens. Il est là, il ne peut pas nier. Moi, mec, c'était un Américain. Il dit qu'il flottait dans son habit là. Et puis, il est là comme ça, il marchait comme ça. C'est son cou la même qui voulait se casser. J'ai dit, moi, mec, je suis rentré en studio de mode. Il dit, je n'aime pas chanter AMMB. Si je venais après pour aller pour. Il dit, transpire dans l'eau. La maman m'a dit de là. Maman m'a dit de là. J'ai dit, il a fait mon attalakou jusqu'à... Moi, mais était fond du petit. Il m'appelait la vieille mère. J'ai aimé le petit. J'ai donné le jeton au petit. Même pas demandé. Même. Il était tellement fond de ma gamme. Même pas demandé combien je lui donnais. Ce qu'il a donné là, il dit, la vieille mère, tu m'en soutras. La vieille mère, je ne peux jamais oublier ça. Que les artistes m'utilisent ici. En ce moment, il n'est pas non. Il dit, les artistes m'utilisent ici. Il vient que pour ne me donne pas 5 francs. Il dit, si De Bordeaux voulait même embrasser mes petits, il l'a embrassé. Il dit, il était content. Il est collé en moi, il sentait mon parfum. Il est collé en moi sur le même pas. Il dit, et De Bordeaux a chanté jusqu'à moi, mes temps jaillent. Et puis après, je suis rentré, il a fait. J'ai montré l'album, j'ai encore l'album. Et un autre jour, la deuxième fois encore, j'ai vu De Bordeaux. C'était à Paris. En ce moment, il moussait maintenant. Il moussait même. Il était à Paris. Je devais faire, attends, je vais faire le son de. Vous allez l'écouter. J'ai fait un son de Bordeaux à Paris. Il était à Paris. J'ai eu son numéro. J'appelle De Bordeaux. Il dit Mathieu Dola. Moi, mais j'étais dépassé. Il dit oh, Mathieu Dola. Ah, De Bordeaux. Et pendant que tu mousses, tu m'appelles. Mais il n'a pas dit bon, mais. Il dit oh, Mathieu Dola. What's up, Mathieu Dola. Et puis, il parlait son petit anglais là. Ouais, where are you, Mathieu Dola? You know, that's me, De Bordeaux, le couffo. Yeah. Attendez. De Bordeaux, moi, c'est une longue histoire. Il est là, là, sur mon direct. Donc, De Bordeaux. Attends, je vais vous montrer le son de De Bordeaux. Attends. Vous allez écouter un peu. Ça, c'était à Paris. J'arrive, donnez-moi une seconde. Non, je ne vais même pas le clasher. C'est mon fils.
Je peux pas le clasher. Je peux pas le clasher. J'arrive. Attendez, je cherche le son. Vous allez attendre si c'est pas lui. Voilà. Quand j'appelais de Bordeaux. Où ça y est même? Vous allez écouter sa voix. Vous allez dire que je ne monte pas. Je ne monte pas. Il y a preuve. Attendez. Écoutez. Hein? Oh, de... ça c'est de Bordeaux, hein? Il chante pour moi. De Bordeaux, elle a chanté pour moi. Il nous a dit, premier jour, j'ai eu De Bordeaux chantait quand j'ai sa voix, sa gorge, elle est quittée pour tomber. Moi, j'ai peur. Il dit, De Bordeaux, quand même, j'ai augmenté même sur son argent. De Bordeaux, c'est moi, tu viens très tôt aujourd'hui. Hein? Ok, y a pas de problème. Tu sais quand t'as chanté ma chanson là, non? J'ai t'envoyé l'album. Tu as fait l'album, j'ai même pas encore chanté. L'album est là, j'ai pas encore fini. Et dit, viens faire une seule chanson. Tu es venu faire 7 chansons dans mon album. On peut faire ça? On peut faire ça d'abord. Viens chanter une seule chanson. Tu es venu chanter 7 chansons dans mon album. D'abord, entre toi et moi, on peut faire ça? Toi et moi, on peut faire ça? Une seule chanson. Voilà sa voix ici. Y a comment il chante? D'abord, Matidoula, hein? De Bordeaux a percé, je vous dis. Petit De Bordeaux arrivé à Paris, j'étais à Paris, il moussait même. Il dit, je l'appelle. Il dit, yeah, Matidoula. Il dit, même pas maman, hein. Il dit, Matidoula. Il dit, bon, De Bordeaux, viens, on fait un son ensemble. Il dit, mais si on fait le son là, après on se voit, non? Ah! De Bordeaux est fond de moi. Le gars, il est jaloux, il sait pas, il fait parler avec le roi, il pense que c'est le roi. Il dit, ah, moi, j'ai dépassé même. Il dit, mais après le son, là, on se voit, non, là. Matidoula. Je vous jure. Voici qu'elle est là. Il est là. Je jure dans moi de carême, là. Si c'est pas passé, là. Je jure sur tout ce qu'il cherche. Je ne peux pas mentir. Le monsieur, le gars est là. Il ne m'a pas appelé ma mère. Il dit, Matidoula, il dit, de bord, pardon. Viens, mon fils, enfin, son. Parce qu'il appelle mon fils. Il dit, même pas dit maman. Il dit, Matidoula, mais il est venu bailler, là. Après, on se voit, non. Ha! Il me dit, ok, mon fils, il n'y a pas de problème. Viens. Il dit sa cœur, il a donné l'heure, il est venu. Mais vraiment, il m'a fait plaisir. Et quand il a fini, il dit, veut m'inviter à aller manger. Il m'a commencé à le faire. Il a commencé à faire ses jeux. Il avait grossi un peu. Ses habits étaient bien plaqués. Il avait grossi un peu maintenant. Il lave ses lèvres. Voilà, Matidoula, tu es en forme, hein? Tu es en pime, hein? Et puis, il a dit, non, il n'y a pas de problème. Finis le son, on va aller manger après. Quand il a fini le son de Bordeaux, là, quand il a fini, là, le petit m'a appelé, il est bloqué. Donc, actuellement, là, quand il danse sur son son, il ne partage pas. Il est fâché à moi. Ce n'est pas pour qu'il est fâché à moi. De Bordeaux, je ne sors pas au roi 12-12. Tu as compris? Je ne t'ai pas manqué du respect hier. Non, non. Je ne t'ai pas manqué du respect hier. Hier, c'est vous les stars. Roi 12-12, c'est mon ami. Toi, tu es mon fils. Même si tu as agi comment, tu m'as appelé maman au début, tu m'appelais maman. C'est maintenant que tu m'appelles Matidoula. Et puis c'est maintenant que tu as courage de venir, moi, me répondre sur ma page. De Bordeaux, tout le monde peut me répondre, sauf toi. De Bordeaux, tout le monde peut me répondre, sauf toi. Quand je t'ai appelé la première fois au studio, tu t'es habillé en hip-hop, tu es venu comme ça là. Quand il t'a giflé là, tu as fait mon atalakou juste quand tu as commencé à insulter les autres artistes, tu es plus, que j'ai un bon cœur. De Bordeaux, tout le monde peut m'insulter, sauf toi. Tu as vu? C'est moi qui ai tagué Bob Lee. Vous pensez que moi j'envoie Bob Lee pour insulter les gens? Quand tu me manques du respect, il y a des gens que j'aime. Voilà, il y a Aya Robert qui est toujours là pour moi. Il y a Bob Lee qui est toujours là pour moi. Malgré que moi et Bob Lee, on se donne des coups de tête, souvent on se parle. Pas taguer moi Aya Robert et Bob Lee. Il y a Mimi La Perroco aussi qui a commencé sa page. Donc, si les enfants là m'insultent, voici mes personnes, disent bon, allez-y, réponds. Parce que je n'ai pas le temps. Ici là, mon temps, c'est de l'argent. Vous avez compris?
J'ai dit Bob Lee, il faut faire ça doucement avec lui, il ne faut pas faire ça fort. Parce que vous connaissez Bob Lee. Non, les gens disent que non, c'est pas qu'avoir Bob Lee. Moi, on veut Bob Lee pourquoi? Bob Lee fait son palabre ici il y a longtemps, vous le connaissez. Mais c'est ma personne, je cause avec lui. S'il y a quelque chose qui me dérange, je dis Bob Lee, vas-y, gère le cas. Parce qu'on se respecte. Aya Robert, ma petite, comme c'était un homme, si elle dit Aya Robert, j'ai le cas de Bordeaux. Je dis non, Bob Lee, comme tu es notre grand frère, il faut venir nous caresser, nous tous. T'as compris? Donc, non, maman, tu envoies Bob Lee. Je l'envoie pion si tu me manques du respect. C'est moi qui ai dit ça. Quelqu'un me manque du respect, j'envoie Bob Lee, j'envoie Aya Robert, j'envoie Mimi la perroquet. Ce sont mes personnes. OK? Voilà. Donc, de Bordeaux, je n'ai pas parlé mal. Vous deux, je vous connais. Tu as crié, crié cela à toi. Non, voilà, voilà, voilà. Moi, je m'amuse aussi. Nous sommes les stars. Vous êtes mes stars. Moi, je suis la vieille mère. Donc, de Bordeaux, tu es ma star. Avec respect. Je t'ai respecté de Bordeaux. Avec tout le respect qui va avec. Je dis, on vous regarde. Vous êtes les stars. Si tu as vu la vidéo, je ne t'ai pas incité. Tu peux venir, parce que c'est la ronde qui a fait. Moi, je n'ai pas dit quelque chose. Hein. J'ai mis seulement une vidéo parce que c'est mon ami. Roy, mon ami, toi, tu m'as dragué. Donc, peut-être, tu penses que... Roy, non. Et tu t'es fâché, tu es venu me répondre. Et tu es, non, d'abord, c'est entre nous, Ivoiriens. Moi, je ne peux pas soutenir un autre pays, mais quoi? Non, non. Ivoirien d'abord. Tu es mon frère. J'ai mis la vidéo, vous venez maintenant expliquer. C'est tout ce qu'elle a demandé. Je t'ai pas insulté. Ça t'a fait mal. Parce que moi, j'ai posté la vidéo, ça t'a fait mal. Tu as mal pourquoi d'abord? Mais c'est une vidéo que toi-même tu as parlé, c'est pas en cachette. Si moi mets la vidéo, tu peux venir dire non, voilà, bon, voilà, voilà. Tu viens m'expliquer pourquoi. Il a honte, il vient m'insulter. D'abord, c'est pas sans toi et moi. Hey! Bon, si tu veux de moi, il faut continuer. Peut-être bon, aujourd'hui, je sais pas. Mais tu peux pas venir. Moi, quand ça attaque au roi 12-12, moi, je sors. Voilà pour Kamel Sama. Les gars disent que non, le monsieur soit Kamel Sama. Je suis sorti, ben, c'est mon ami intime. Je le protège aussi. Il dit non, que c'est faux, ils ne sont pas avec la fille. Tous ceux qui vont s'attaquer au roi, moi je vais sortir. Oh. Moi je vous dis, mais pas venu insulter. Je vais venir voir ce qui se passe. Hey, d'abord, toi-même ta propre vidéo, tu étais avec ton parrain, tu as fait ses éloges, et je vois un côté, tu es là l'insulter. Et moi c'est ma personne. J'ai balancé la vidéo, c'est tout. Tu peux venir dire non, tu peux venir maintenant non, dans la vidéo pour dire bon, la vieille, mais cette vidéo-là c'était tant. Tu t'expliquais, mais c'était tout. J'ai fait quoi de mal? Et puis, il t'a dit, c'est vous les stars. On vous regarde. Moi, mais je t'ai dit que c'est vous. J'ai dit, vous deux, vous êtes des stars. On vous regarde. Je ne t'ai pas dénigré. C'est ma page. Nous aussi, on veut savoir ce qui se passe. Hein? De Bordeaux, viens. Je t'ai parlé mal. Je t'ai pas parlé mal. Depuis que tu fais sortir tes sons, je danse dessus, tu ne partages jamais. Je n'ai pas parlé. Est-ce que tu as le gourmet de ça? De bon? Tu es un gourmet. Donc tu penses que le gars, elle est venu prendre toutes tes soeurs, elle est venue même la vie. Moi, tu m'appelais vieille, mais maintenant tu m'appelles Mati. Il ne sort pas avec roi. Si tu veux de moi, on peut toujours poser. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir. Non, tu ne vas pas peine de m'insulter. Je suis vieille là. Mais regarde, je suis vieille là. Je suis fraîche. Hein? Je suis fraîche. Donc, il y a toujours la place. Tu as tout mon cœur toujours là. C'est parce qu'on vend bon, you know? Donc, d'abord, je ne t'ai pas mal parlé. Je t'ai respecté. Parce que tu es un artiste qu'on doit respecter. Moi, je suis vieille, mon temps a passé. Donc, j'ai mis une vidéo de toi avec le roi. Toi, tu as insulté mon roi. C'est mon roi. C'est ma personne. Moi, je n'ai pas compris, tu l'as insulté. Et dans notre vidéo, une ancienne vidéo, tu dis que c'était ton parrain, tu fais sa sécurité. Bon, moi, j'ai posté la vidéo d'abord. Et si je t'ai parlé mal? De Bordeaux, je t'ai parlé mal? Je t'ai parlé avec respect. Il dit, c'est vous les stars. On vous regarde. Ça t'a fait bim, bam, bim, bam. Tu es sorti avec loup. Tu m'as insulté proprement. Mais, non, non. Il y a soirée Cyril. Vous êtes ici sur ma page. Dites-moi si je l'ai insulté, je l'ai manqué du respect. Lui-même là, vidéo là, il était là. Lui-même là, il avait son portable à fumer. Le roi aussi a fumé. Moi, en tout cas, la personne qui touche le roi, je viens mettre les petits trucs pour dire, donc, expliquez-moi, parce que c'est mon ami. Tu vois que j'insulte le roi, pas parce que non, c'est un malien, j'ai venu prendre sa défense, moi, j'ai rien compris. D'abord, je veux que tu m'expliques, c'est tout. Est-ce qu'il a dit que le roi a raison, mais tu as raison?
Je n'ai pas dit ça. Hein? De Bordeaux, je n'ai pas dit que tu as raison, mais le roi a raison. Vous faites votre palabre. Vous êtes, moi, je connais. Le roi, c'est mon ami. Toi, tu es mon dragueur. Donc, je viens mettre la vidéo. C'est tout, j'ai mis la vidéo. Je te dis, c'est vous, les stars. Tu m'insultes, tu me traites de vieille, que si je suis pas. Je suis sage, hein, de bord. Ce que vous avez commencé là, moi, je termine ça pour vous. Voilà. Artiste, là, il a commencé avant vous. Il y a longtemps, je suis dedans. C'est parce que je ne prends pas ça au sérieux. Ça ne me dit rien. Vous avez compris? C'était tout, mon Debord. Je t'embrasse et tu fais un événement quand là même là. Bon, allez-y le soutenir. Allez soutenir mon chéri Debord. Allez-y le soutenir. Vraiment. Bébé Debord, on va te soutenir. Je vais partager ce qui. C'est quand l'un show quand là même. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. C'était pour taquiner un peu. You know? C'était pour dire que c'est la famille. You know? Nous sommes tous ensemble. On se soutient entre Ivoiriens. On se soutient entre. Les autres contenants se soutiennent. Mais roi, c'est ma personne. Voilà. S'il y a quelque chose qui est louche, je peux sortir. Parce que vous me connaissez, Mathe de là, c'est roi. 12-12. Donc, quand il y a quelque chose, je viens, je parle. Les gens, même là, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de filles qui veulent gâter en moi le monsieur. Quand je faisais mes buzz. Ah, Mathe de là fait les buzz avec toi, c'est pas bon, tu es marié. Il dit mes propres soeurs ivoiriennes. Mes propres soeurs qui sont autour de lui. Il vient tout en l'embrouiller, tout en l'embrouiller, tout en l'embrouiller, tout en l'embrouiller. Quand il partage ses photos, il dit mon bébé, il dit roi, reine Douzo, ils vont venir l'embrouiller. Que non, tu es mariée, il ne faut pas qu'elle va faire ça. Elle dit non. Elle fait son. Elle dit laisse-la faire le buzz. Elle fait le buzz. Et non, ce n'est pas bien, j'ai une personnalité. Moi, mais j'ai une personnalité aussi. Donc, et les filles, calmez-vous. Voilà. Moi, ce n'est pas son Dieu, ce n'est pas quoi. Mon mari a Dieu. Il ne travaille pas, il est dans la maison. Donc, je suis à lui, c'est pour le, on se respecte, c'est tout. Donc, bye bye, je vous adore. Et c'était tout. Donc, si j'ai fait... non, c'était tout, you know. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous embrasse, OK? Ceux qui ont partagé, je vais vous faire plaisir. C'est la maths, Mathe Doula. Bisous.